Dieu leur insuffisance. À l'instar de Moïse qui disait qu'il était bègue, à l'instar de Jérémie qui disait qu'il était un petit enfant, ou de Gédéon qui disait qu'il était pauvre. Rappelez-vous, à toutes ces personnes qui se sentaient incapables, Dieu les rassurait de sa présence. Il disait seulement, je serai avec toi. Je vais dire à quelqu'un qui a un grand appel, une grande destinée, une grande mission, un grand potentiel. Il y a des choses auxquelles Dieu t'a appelé. Lorsque tu te regardes, tu dis, je ne pourrai pas. J'ai des faiblesses, des tares, des insuffisances. Je n'ai pas fait de longues études. Mon passé qui me poursuit à chaque instant. J'aimerais te dire, il y a une seule garantie avec laquelle tu vas avancer. Emmanuel est avec toi. Parce que la présence de Dieu est plus que tout. Elle va combler le vide de tes incapacités. Elle va combler le vide de tes insuffisances. Elle va combler le vide de tes faiblesses. Comme Paul qui pouvait prier plusieurs fois en disant, Dieu, détache-moi, délivre-moi de cette écharpe. Dieu disait, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Parce qu'il s'appelle Emmanuel et il est là, effectivement. Lève la main droite avec moi si tu connais la chanson, tu vas chanter. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, I'm
Les maillots.